le prank. Salut, c'est Greg Guillotin. Nous avons décidé de piéger une partie des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Pour ça, nous avons fait appel à la complicité de Cyril Hanouna. Il a ainsi dit aux chroniqueurs qu'il fallait qu'il rencontre un youtubeur talentueux sur qui TPMP a décidé de s'appuyer la saison prochaine pour être davantage présent sur le web. Ce youtubeur, c'est moi, et je vais camper un mec insupportable au boulard énorme. Je vais piéger les chroniqueurs avec la complicité de Lionel, le bras droit de Cyril Hanouna, et de David, mon associé. Aujourd'hui, Julien Courbet, c'est parti. Bonjour. En gros, Cyril a fait appel à moi. Première chose que je viens de driver les chroniqueurs. Il m'a demandé aussi si je voulais apporter mon prestige au show. J'imagine que tu connais un peu mon parcours. Comme ça, tout de suite, je me rappelle plus très bien, mais tu vas me le redire. Tu ça va tout de suite me revenir, j'en suis certain. Je fais des vidéos humoristiques depuis maintenant un paquet d'années, sur le web, qui sont devenues référentes sur la toile, on va dire. Maintenant, je passe en coaching, voilà, que vous puissiez vous appuyer sur moi et mon succès. Mais c'est pas mon cœur d'activité. Je m'en mets déjà plein les fouilles sur Internet. Ce qui me motive, c'est l'adrénaline que ça me procure et le plaisir de consolider des carrières fragiles, main dans la main avec eux. Ouais, parce que la mienne, elle est vraiment fragile, tu vois, ça fait 30 ans maintenant que je fais ça et je m'aperçois, tu vois, que j'ai une certaine fragilité. C'est des gens comme toi qui vont m'aider à construire une vraie carrière après 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, en fait, de faire connaître un succès. Succès dans sa... Excuse-moi, j'ai un petit fou rire, mais ça va passer. Je pensais à autre chose, j'ai beaucoup tourné cet après-midi, je suis un petit peu énervé, c'est pour ça. Mais... Non, je disais de faire connaître un succès comme moi je peux connaître depuis maintenant, on va dire quoi, 2 ans, même c'est enfin l'apogée, enfin le plus gros c'est depuis 2 ans. Excuse-moi, je suis désolé, mais c'est la fatigue, il peut te le dire, j'ai énormément tourné ces 3 derniers jours, quelque chose comme 8 heures par jour. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné tu me dises pourquoi t'es là, parce que je dis, toujours pas compris. Vous êtes plusieurs en fait à avoir besoin de mon aide aujourd'hui. Il y a différents types d'aide à apporter. Toi, t'es vraiment le point d'interrogation de la bande TPMP pour moi. Tu vois, autant que Casta, j'ai très vite cerné, le mec, il a du talent, mais parce qu'il est pas très futé, il s'est vite cassé la gueule, et... Vas-y. C'est extraordinaire, c'est la plus belle réunion de ma vie. Mais toi, contrairement à Casta, t'as réussi à aller haut, mais finalement sans beaucoup de talent. Ah oui, je me suis bien débrouillé. Ça n'a pas été facile, il y a des moments, je le voyais bien en plus que j'avais pas de talent, mais il fallait à chaque fois que je le contourne, et ça me fait hyper plaisir ce que tu me dis. Avançons. Donc en fait, toi, tu t'es caché toujours derrière des énormes marques TPMP, sans aucun doute, et en fait, du coup, les gens n'ont pas pu s'apercevoir de ce côté sans plus que t'as, tu vois, sans plus, ce qui a fait que finalement, t'as toujours été un planqué, mais planqué malin. Donc ça, c'est un compliment que je te fais, donc c'est vraiment... Ça me fait vraiment plaisir. Planqué malin, faut noter. Planqué malin. Pourquoi et t'ont choisi toi, finalement, pour faire sans aucun doute? Parce qu'ils auraient pu mettre Carmouze, Delarue, enfin n'importe quel type avec des lunettes, parce que finalement, c'est plutôt ça qui fait un peu ta force. Il fallait un mec à lunettes, ça c'est vrai. Pour moi, ta force, c'est les lunettes, mais je le dis vraiment sincèrement. Il y a eu un casting, il y avait 2 mecs, c'était des bombes atomiques, ils ont pas été pris, donc ils ont fait appeler la deuxième partie du casting. Faites entrer ceux qui ont des lunettes, là je suis pas arrivé. Parce que j'avais pas du tout été pris au sérieux en fait sur ce que je dis. Ah, je te prends super au sérieux, tu es juste en train de m'expliquer que je suis arrivé à sans aucun doute parce que j'avais des lunettes, donc je prends ça très au sérieux. C'est ça que je veux dire. Donc tu t'en sors aujourd'hui le cul bordé de nouilles. Aujourd'hui, t'es encore chroniqueur. Et tu l'as encore si quand même. Moi, je voudrais bien m'étendre davantage, mais comme on me dit. Là, je crois que là, déjà, tu vois, on a bien la tartine. C'est-à-dire que ça, associé à ta gueule d'expert comptable. Oh putain, c'est bon. De toute façon, on va se revoir une fois par mois, c'est l'idée, donc si t'acceptes. Même si tu veux une fois par semaine, parce que si toutes les réunions sont comme celle-ci, on peut même se voir tous les jours, si tu veux. Tous les chroniqueurs de l'émission, je dois tous les voir, je dois tous vous voir un par un. Il y en a que je veux bien voir, ils sont sauvables. Et il y en a, ils sont... Ne me dis pas qu'il n'est pas sauvable. Je t'assure, je veux pas savoir. Mais tu es sauvable. Enfin, tu es sauvable. Enfin, ça, c'est une super nouvelle. Ma solution. On en arrive à la solution, d'accord? Il faut qu'on se salisse. T'es trop propre. Donc, après t'avoir retiré de tes PMP, on développe un programme web avec toi à forte valeur ajoutée autour de ta personne. Un programme web? Une mini-série, tout à fait, monsieur. Là, je vais te faire une propale qui va envoyer du bois, donc si tu veux, prendre des notes. Donc, on s'est demandé comment on va salir Courbet en le rendant drôle. Dans sans aucun doute, t'étais le mec chiant, le mec qui respectait un peu le code pénal. Et ben là, tu vas aller brûler les règles. Je vais aller contre la loi. Le titre du programme, un peu rock'n'roll. Auquel on a pensé, c'est Courbet vous pisse à l'arrêt. Ah oui, déjà là, tu vois. Non mais explique avant que tu rigoles. Courbet vous pisse à l'arrêt. Tu me laisseras juste appeler ma mère juste avant pour la prévenir quand même quand elle va tomber dessus. En fait, il y a une petite subtilité dans le titre. Pas mal. C'est l'arrêt. L'A2RET. Et c'est là qu'il y a une subtilité. Ah. Voilà. Donc c'est l'arrêt de bus. C'est là où tu vas systématiquement aller provoquer les gens. On est dans une voiture, on est en mode planqué et on filme depuis la caisse. Tu vas pisser sur les gens, mais verbalement. Par exemple, il y a quelqu'un, un gros, à un arrêt de bus. Et toi, tu sors de la caisse et tu vas face à lui et tu lui dis « Ça va, gros lard, t'as bien mangé ?»
Et ça, c'est... Non, non. C'est tout à fait bon. Je me vois dedans. Ça va, gros lard, t'as bien bouffé pour provoquer une réaction, quoi. Et là, tu te barres en courant direct et tu gueules, je vous pisse à l'arrêt. La chute, c'est Courbet vous pisse à l'arrêt, quoi. Donc, la finalité, c'est d'insulter un pauvre gros qui a rien demandé comme ça pour lui faire plaisir. Ça va faire du clic. Ah, ça, du clic, ça va en faire. Mais je pense que ce que je vais faire après, c'est mes clics et mes claques très rapidement. Déjà, après le gros, je pense que j'ai un procès et je me mets toutes les personnes de forte taille à dos. J'ai envie que les gens se disent, ouais, Courbet, c'est mon pote. Du coup, parce que j'ai dit un type très sympa, parce que je suis venu le voir en lui disant, toi, gros lard, je te pisse à l'arrêt, donc je me vois très bien. Et là, tous les gens vont prendre leur téléphone, putain, ce Courbet, mais qu'il est sympa, ah, enfin le Julien Courbet qu'on attendait. Mais donne-moi d'autres exemples que le... Ah, les noirs... Le noir, t'arrives vers le noir, tu fais sombre ici, c'est déjà le bus de nuit ou quoi? Ouais, là, on est dans un humour. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que ce soit jamais trop facile. Non, parce que là, on n'est pas dans la facilité, tu vois. On est justement dans le petit truc qui fait... Il y a une petite subtilité, un petit truc. Ouais, jamais je dirais ça. Jamais je vais aller dire à une personne de forte taille ou à noir. Le simple fait d'imaginer que je peux dire, ça me donne envie de gerber. Mais non, mais il fait sombre ici, c'est par rapport à sa couleur de peau. Il faudrait pas que tu me prennes pour un con en plus, parce que tu penses que je suis... Alors, je suis peut-être un comptable avec des lunettes et ce que tu veux, mais je sais quand même comprendre que la vanne, elle est dans le fait qu'il soit sombre et compagnie. Je te montre le jingle. T'as fait un jingle? Attends, putain, mais vous avez vraiment fait un sprint et tout. Courbet vous pisse à l'arrêt. On peut le revoir. Excuse-moi. Est-ce que tu m'autorises à le filmer? Ça passera un jour pas sur les réseaux sociaux. J'aime bien voir la vie, tu sais, de la famille. Ça va. Alors, vas-y. Courbet vous pisse à l'arrêt. Quand tu le vois la deuxième fois, ça commence à me faire rire. Tu vois? Ah ouais. T'imagines ça après le gros lard, t'as bien mangé? Je te jure, si tu me fais confiance, on passe un cap dans ta carrière. Le cap, c'est sûr qu'on va en passer alors. Mais non, lequel et dans quel sens, je suis pas sûr. Mais... De toute façon, on doit y aller vite. Bon, merci les gars. Toi, le problème, je te le dis, c'est vraiment l'histoire de propreté de ton image. Et si je t'ai vu aujourd'hui, en tout cas, c'est parce que t'en valais la peine, c'est tout. Ok. Ciao, ciao. Merci. Hein. De rien. Ok. Surtout, t'hésites pas à me faire venir. Mais qui les a engagés, c'est... Mais Cyril. Mais enfin, tu me vois en train de dire, Courbet te pisse à l'arrêt. Mais enfin, allez, jamais, je dirais ça. De toi, moi, j'ai pas voulu le dire, mais le jingle, moi, c'est ma canne. Moi, je me le regarderai en boucle. À un moment donné, ça, je vais le raconter sur cette vidéo. Tu vas leur expliquer que ça va pas être... Ouais. J'ai juste oublié un petit truc. Bien sûr, tout ça, c'est filmé. Mais tu m'as cueilli un froid, donc comme t'as gueulé, j'ai dit attends, laisse-le s'énerver, ça sert à rien, puis je voulais pas m'énerver pour le direct. J'espère en tout cas que tu me fileras le jingle. C'était parce que c'était surnaturel, quoi, à un moment donné, et puis il était tellement dans son truc, j'étais courbé, vous pisse à la règle, c'est exceptionnel. Au mois de septembre, quand je serai sur scène, je le diffuserai, je dirai, ils sont dans la salle, ils m'ont fait croire ça, et on diffusera courbé, vous pisse à l'arrêt. Courbet vous pisse à l'arrêt.